Onde é que ela fez isso aí? Ela fez isso aí. Que? Peraí. Que? Onde é? Não. Ils sont embauchés dans les filets. Alors il a voulu couper tout, le couteau est parti. Après il a réussi à se faire, il a tout jeté après. C'est fou, il a révélé un paquet devant en haut. Nous on a commencé bien, on a fini là-bas derrière la calle de Chine. La dérive, tu sais. Ouais, il s'est fait peur là. Du coup on a débarqué les filets. Il a débarqué. C'est sur la bouteille. Ça arrive souvent pour lui. Non, ça arrive pas souvent. Maintenant le temps il n'est pas stable, tu sais. Alors. On ne sait pas, tu vois, regarde, ils ont lancé un coup de vent. Arrête de mentir, il ne faut pas grand chose. Rame de terre, lui. Et ce qu'il y a, c'est que lui, il a un camarade, c'est petit, tu sais, c'est ça beaucoup de prise au vent, tu vois. Il a beaucoup de prise. Il s'est fait peur, là. Ah bien. Je l'ai vu de loin, moi, je tenais pas qu'à le filet, je disais, il est devenu fou, quoi. Du coup, c'était embrouillé dans les jambes et tout, et il partait avec le filet, il partait avec tout. En plus, il prend le couteau, il part à l'eau, le couteau. Ah. Ça, c'est dangereux le métier de pêcheur. Ouais. Il vaut mieux rester comme ça avec la mer. Ça mais il y a plus de métiers de pêcheur que chez les maçons. Hein. Oui. Bah oui. Moi, je suis pas maçon. Les maçons, ils sont bons nageurs. Vous avez pied dans le béton. De me raconter. Il y en a un qui est bon comme ça. Hein. Petit. Ah, tu t'es souris, il avait deux noms, il était souris, il s'est discuté avec il est tombé dans un trou à béton. Oui, ils ont fondu le béton. Quelques 10 ans après, le béton il a fondu, il a chuté qu'il avait fait le pont, il a dit non, les piliers, on ne peut pas les garder comme ça, tout détruit. Les autres ont dit non, on met des renforts sur le piliers. On renforce le pilier, on abat le pilier, on supporte le béton, on recouvre le pilier. C'est là qu'ils continuent à casser le pilier, ils ont trouvé le type à l'intérieur. Bonjour. Et la femme se demandait, ça fait 10 ans qu'il avait disparu. Et en plus, il ne pouvait même pas toucher l'héritage, hein. Sans corps, tu ne peux pas rien faire. Maintenant, il y avait les vêtements, le portefeuille, il y avait tout mis dans le jeu que j'étais venu. 10 ans, il a disparu. Et puis il devait être intact en plus. Ah oui. Faudrait que j'essaie avec Max, moi. Déjà, je te dis, il a accroché comme un sage à bord. Et en plus, il ne sait pas nager. Parce que moi, j'ai un boucher à bord. Je n'ai pas un pêcheur, on ne tombe plus de pêcheur. Je vais embarquer celui-là, là. Vous ne pouvez pas embarquer, alors, par la tête. Moi, je vais embarquer. Comme ton île, tu veux pas. Qui c'est qui ne veut pas, moi, je veux. Déjà, ceux qui divorcent, c'est-à-dire, Jackie, elle ne veut plus à la maison. Moi, je ne divorce pas. Pas bon. Je ne veux pas marier, alors. Mmh. Ouais. Oh, c'est le bateau de Juliette qui repart en bas. Il n'y a toujours pas monté. Du coup, le moteur doit être grippé. Il y a là, il est mort, le moteur. Hein. Déjà une ça fait 4 mois, c'est mort. Ça fait depuis septembre. Hein. Il est mort, le moteur. Je viens de mort maintenant. Il reste un peu là. Il va être une solution. Il valait mieux qu'il le mette en gardiennage à Ajaccio. Il valait mieux, 1000 fois. On aurait payé le gardiennage, mais au moins il était tranquille. Ouais, c'est bon, je m'en occupe plus de votre bateau, je me montre chez votre mère. Et... j'avais dit à Juliette, j'avais dit. C'est son père, hein, ce qu'il veut. Bon, bah, j'y vais. Un jour, mon père, il pose son sac contre la porte. Un jour, il part tous les matins travailler. Un jour, il prend le bus pour Denain. Un jour, il me ramène des bonbons de l'usine. Un jour, il balance sa canette sous la table. Un jour, il me voit sur la palissade. Un jour, ma tante se fout de sa poire. Un jour, il ramène que son pinard des courses. Un jour, je le vois en bas de la rue Neuve. Un jour, ma mère planque les bouteilles. Un jour, ma sœur dit qu'il est gentil. Un jour, ma mère, elle lui sert à rabord. Un jour, il caresse son chat dans son fauteuil. Un jour, je tape sur des bidons. Un jour, il met un cendrier en dessous de son verre. Un jour, il minote, fais pas ça. Un jour, il dit des choses compliquées. Un jour, il met du charbon dans la chaudière. Un jour, il remonte les escaliers. Un jour, il m'achète des dictionnaires. Un jour, il revient sur la discussion. Un jour, il fout le camp pendant la noce. Un jour, il me fait un laïus sur les vitamines A, B, C, D. Un jour,
jour, il laissait son patois avec un voisin. Un jour, je repousse sa main dans la voiture. Un jour, il trifouille avec ses bobines de ficelle. Un jour, je déterre la poupée de ma sœur. Un jour, je lui dis ouais, 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 ouais. Un jour, sa mère l'endort avec ses histoires. Un jour, il met un temps infini. Un jour, il se lave avec son gant de toilette. Un jour, il est en bleu avec sa casquette et ouvre la bouche. Un jour, il rattrape la goutte au nez avec sa main. Un jour, il a les veines sur son visage. Un jour, il regresse encore son fusil. Un jour, il me parle de ma mère. Un jour, il se sauve chez Tante Marthe. Un jour, il me ramène des pommes dans sa brouette. Un jour, je croise les mains sur son ventre. Un jour, il revient tous les jours cuit. Un jour, il dit j'ai pas de chair. Un jour, il me fait des mimiques. Un jour, il corrige les fautes de français. Un jour, il arrête pas de se taire. Un jour, il met les trucs ultra lentement. Un jour, je récite un poème de Maurice Fombeur. Un jour, il reste en plein devant la télé. Un jour, le chat est sur ses genoux. Un jour, il plie ses jambes dans la 4L. Un jour, je vois l'homme qui rétrécit. Un jour, il se fait griffer par maman. Un jour, il perce le cœur de l'araignée avec une épingle. Un jour, il fume sa cigarette et pense un jour, ça sent les pois cassés. Un jour, il dit touche pas, tu vas tout casser. Un jour, les escaliers craquent tout le temps. Un jour, maman dit encore j'ai déjà salé. Un jour, je vois la terre de près. Un jour, il est tout flou derrière le linge. Un jour, il croise les jambes dans la cuisine. Un jour, tonton parle de la gorge. Un jour, je vois l'ombre du voisin. Un jour, mon père tourne autour des pommes. Un jour, mon frère se sauve des cabinets de toilettes. Un jour, ma mère dit aïe aïe aïe, laisse tomber, va. Il a du souffle. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses? Et tu vas le publier? Ouais, ça va être publié dans une petite maison d'édition. Oh, ouais. Mais ça passe sur internet, ça? Ça, sûrement. C'est vrai? Non. Ah. Attends, c'est pas, c'est pour manquer de la tuer, d'avoir le demande, hein? Mais je t'ai pas demandé. Un site. On va avoir mon tête de chez Francis.fr. Oui, voilà.